Salut à tous. Alors, pas mal d'entre vous ont probablement vu les setup building sheets que j'ai mis à disposition sur mon site. Bon, c'est des feuilles que j'ai fait basées donc sur une vidéo de Zach de Racing Sim Tools, qui montrait comment ils travaillaient en équipe pour préparer un setup pour une endurance. Et j'ai trouvé ça une très très bonne méthode, parce que c'est vrai que comprendre ce que nos équipiers veulent dire quand ils n'ont pas un minimum de connaissances de la dynamique des voitures, c'est pas toujours évident à comprendre. Et donc, de ce fait-là, sans avoir de connaissances en mécanique ou quoi, rien qu'avec le feeling et un petit peu d'organisation, on peut faciliter la vie de celui qui fait le setup. Et donc pour ça, j'ai créé les setup building sheets, donc qui vont être au fur et à mesure disponibles pour les circuits de e-racing. Et bien sûr, elles sont valables pour n'importe quel simulateur, pour peu que ce soit un circuit laser scan ou un mode de bonne qualité, histoire que les virages soient identiques. Pardon. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu la méthode, on va dire, normale. On peut, disons, grosso modo, déjà dégrossir un setup. Parce que bon, la setup building sheet, c'est bien. Mais ça demande pas mal de travail. Ça demande aussi de bien découper chaque partie du circuit, donc sur chaque virage, et c'est chaque virage découpé en trois parties, c'est-à-dire entrée, milieu de virage et sortie. Ça nécessite de bien retenir ce qui se passe sur la voiture dans chacun de ces secteurs. Et donc, ça nécessite forcément déjà pas mal de roulage sur le circuit avec la voiture. Donc, l'idéal étant de déjà dégrossir le setup. Et ensuite, quand on commence tout doucement à vouloir un petit peu affiner la voiture, ou qu'on commence à avoir des désaccords entre équipiers pour dire là, elle s'ouvre, mais non, elle s'ouvre pas, elle survire. Bon, ceux qui roulent en équipe, ils doivent savoir de quoi je parle. Ça arrive très très souvent, parce que avoir trois équipiers qui ont le même style de pilotage, c'est pas toujours possible. Et donc là, la setup sheet va pouvoir nous aider. Et donc ici, on va faire vite fait. Bon, peut-être quand même prendre le médium bonne force. Hein, faut quand même pas déconner. Faudrait quand même essayer de finir ne serait-ce qu'un tour. On va prendre le médium bonne force endurance. Voilà. On va activer la télémétrie. Et on va faire un petit tour vite fait, bien fait. Et je vais essayer le plus possible de retenir ce qui se passe sur la voiture, sur chaque virage. L'entrée pas mal. La sortie bien, sèche, pas de problème. Donc on a vu qu'elle était un peu délicate sur le léger gauche avant le gros freinage. Voilà, on voit que la plupart des virages, elle est assez délicate en entrée. C'est pas un virage en particulier, c'est la plupart des virages. Bon, attention, les pneus sont froids, hein, donc c'est à prendre en compte aussi.
très très bonne motricité en sortie, elle est super safe. L'aéro a l'air pas mal, l'équilibre aéro a l'air plutôt pas mal. Ici, avec les pneus qui viennent en pression, ça a l'air de se passer un petit peu mieux. La motricité est bonne, surtout dans ce virage-là, c'est assez délicat. Ici, l'entrée, j'ai pu rester à fond, c'est très bien. Donc voilà, on voit bien que la voiture est... Bon, ici, j'ai dû un peu soulager. La voiture est super safe. Vraiment super safe en medium downforce, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, alors voilà. Bon, ici sur deux tours, ça va être un petit peu compliqué de faire le travail qu'il y a à faire, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu la manière de procéder. Donc, on va. Alors donc voilà le setup building Bathurst. Donc on voit que la ligne de départ est ici. On a le virage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. 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 D'accord. Alors la première chose à faire, bon. J'ai pas lancé RST. On peut faire ça avec le Motec aussi, hein. C'est pas un souci. C'est juste que voilà, là j'ai pas besoin de faire de calcul spécifique, donc j'utilise RST parce que RST, ben voilà, tout est là, il n'y a rien à faire. Next session car paramètres, je pense que j'avais déjà ça pour la BM M4 GT3, même si pour ce qu'on va faire ici, c'est pas tellement nécessaire. Voilà, medium downforce. Ouais, c'est le sprint, mais c'est pas grave. Hop, alors on va vérifier. Plop. 230, 150. Ah, 250, 170. Là, oui, c'est vrai, avec la mise à jour, il faudrait peut-être que je revoie un petit peu. Donc 250, 170 à l'arrière. La hauteur 50.1 et 83.4. 50.1, 83.4. C'est bien ça. D'accord. Je suppose que l'IR n'a pas changé. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. M4 GD3, hop, medium downforce, endurance, voilà, ça c'est fait. Voilà, alors, première chose qu'on va faire, bon évidemment, on va charger le tour qu'on a fait, voilà, 209. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est repérer chaque virage, pour ça c'est pas compliqué, on va sur, par exemple, driver, n'importe quel truc qui nous donne le graphique des vitesses, et chaque virage est facilement repérable. C'est partout où il y a un trou, on a un virage ou une variation, comme par exemple ici, c'est probablement un virage aussi.
Ici, par exemple, on voit déjà que c'est skyline. Là où je rétrograde, au fur et à mesure, à chaque virage, on voit que c'est skyline où il y a les chicanes dans la truc. Donc voilà déjà comment on peut repérer les virages facilement. Alors, la première chose. J'ai laissé ici volontairement vide parce que ça peut changer d'une voiture à l'autre. Donc vous verrez ici que j'ai mis par défaut, je considère qu'un virage lent est un virage à moins de 120 km/h. De 120 à 180, on est dans un virage moyen. Donc virage lent, c'est que l'adhérence mécanique qui compte. Virage moyen, c'est un mélange de adhérence mécanique et de grip aéro. Et au-dessus de 180, c'est principalement l'aéro qui doit être pris en compte quand il y a un problème à régler dans ce virage-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour certaines voitures comme une F1 ou un Proto, ça peut être un peu plus haut. Quoiqu'en général, en dessous de 120, l'aéro, quelle que soit la voiture, il est minime. Il est vraiment minime. Donc en général ici les créneaux que j'ai mis là sont en général valables pour quasiment toutes les voitures. Donc on va d'abord voir ici virage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein, c'est juste pour vous montrer le principe. Hop, donc hop ici, le virage 1, il est là. On voit ici qu'on a une vitesse de 98 km/h, très bien. Dans ce cas, hop, virage lent, vous voyez, je l'ai déjà mis là. Virage 2, c'est un virage moyen. À la corde, on est à 128, on est à plus de 120 km/h, donc effectivement, c'est un virage moyen. Il y a une petite baisse ici, si vous regardez, il y a une petite baisse avant un gros freinage, donc ça, c'est le virage léger. Alors, est-ce qu'il est pris dedans? Oui, il est pris dedans. C'est le virage 3. C'est le virage 3 que l'on passe à 175 à l'heure. Donc, c'est un virage moyen. Ensuite, le virage 4. Bon, là, il n'y a même pas besoin de regarder la vitesse. On sait très bien que c'est un virage lent. Etc. Etc. Et donc, on fait ça pour tous les virages du circuit. Bon, ici, sur Bathurst, il y a 23 virages, il y a d'autres circuits, je crois comme Road Atlanta, où il y en a moins que ça, beaucoup moins que ça, il y en a 12, je crois. Donc, mais d'ailleurs, ils sont pas tous numérotés d'ailleurs sur la map de e-Racing. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc, vous mettez ici lent, moyen, moyen, lent, ou éventuellement, vous pouvez y rajouter un classement que vous trouvez plus adapté à votre style d'analyse, ça c'est vous qui voyez. Donc ici pour le virage 1, entrée, corde, sortie, d'accord? Je vais quand même, attendez que je vérifie, plop, 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 plop. Le virage 10. Virage 10 et virage 9. Virage 10 et virage 9. Voilà. Ça sent deux virages rapides. Voilà. Donc, hop. Rapide. Rapide. Voilà, vous allez voir pourquoi. Donc, entrée, corde, sortie. Alors, premier virage, qu'est-ce qu'on a eu? L'entrée. Personnellement, je la trouve safe. Les premiers tours étaient un peu compliqués parce que les pneus ils étaient froids, hein, donc je vais dire safe. La corde elle était safe et la sortie était safe. Il n'y avait absolument aucune difficulté. Le virage 2, l'entrée était safe, la corde aussi, la sortie peut-être léger,
SSV safe léger, donc je disais ici léger SSV, voilà. Donc ici, vous voyez ici, j'ai mis SSV pour sous-virage, SRV pour survirage. Parce que le but, c'est de vraiment de faire quelque chose de très résumé. Il ne faut pas commencer à écrire des tartines. Oui, la voiture, je sens que la roue avant gauche est... Non, 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 non. Ça, c'est le boulot du metteur au point quand il va aller voir les datas. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment se comporte la voiture. Le 3, on va dire par exemple trop vif. Non, elle n'était pas trop vive, elle était safe. Safe. On va dire léger sur virage. Léger SRV. Non. C'est l'entrée de celui-là qui est safe, léger SRV, voilà, safe, et il n'y avait absolument aucune perte de motricité, c'était safe, etc., etc. Alors, par exemple, pour le rapide, ici, on va dire... safe... safe, 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 safe. Voilà. Alors, imaginons que, cas de figure le plus facile, le pilote qui roule avec vous, il a exactement le même ressenti. D'accord? Il a exactement le même ressenti, donc ça donnerait... Il ne faut pas faire un copier-coller, hein. Là c'est pour vous montrer l'exemple. Hein. Donc, CTRL-C, CTRL, merde. Édition, annuler, CTRL-V. Vous êtes à 2, et vous voyez que vous avez absolument le même ressenti. Donc, qu'est-ce qui saute aux yeux? Ben, ici, virage 2 et virage 4. Il y a un, ici, virage 2, il y a un léger sous-virage en sortie, ici, d'accord. Ça peut dire, ça peut vouloir dire que l'avant est trop dur, ou il y a peut-être de l'aéro un peu trop sur l'arrière, d'accord. Ici, dans le lent, vous avez, ils ont tous les deux un léger survirage en entrée. Donc ça veut vouloir dire trop de rake, pas assez de twin à, de twin à l'arrière, balance de frein incorrecte, plusieurs choses, celui qui mettra la voiture au point, il sait ce qu'il doit aller voir, mais clairement, les deux sont communs. Donc, si on veut régler ce problème-là, c'est côté setup. C'est côté setup, parce qu'évidemment, le setup, il doit convenir au pilote. Et quand on a les deux pilotes qui ont un même problème, alors à ce moment-là, on peut essayer d'aller modifier le setup, voir si il n'y a pas moyen d'améliorer la chose. Mais par contre, ce qui nous saute aux yeux ici, c'est qu'il y a des safes partout, 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 partout. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut peut-être dire que la voiture, elle est peut-être un petit peu trop facile à conduire, et donc de ce fait, peut-être pas suffisamment performante. Donc peut-être que un poil plus survireur pour pouvoir mieux enrouler les virages, un petit peu moins d'aéro pour pouvoir passer plus vite, gagner du temps en accélération et en ligne droite, pourrait peut-être être une bonne chose. Voir peut-être un équilibre aéro légèrement différent pour pouvoir essayer de mieux enrouler les virages également et de passer plus vite. Ça peut être une bonne chose. Donc, ici, voilà, le metteur au point, la première chose qu'il va regarder, c'est ça. C'est ça. Et bon, ici, c'est safe. Alors, la différence ici, c'est que là, c'est un léger sous-virage dans un virage moyen, d'accord. Par contre ici, on a un autre virage moyen, et on n'a pas de léger sous-virage en sortie. Ah,
Il y a une différence entre ces deux virages-là. Laquelle est-ce? Il va regarder dans les datas. Peut-être une bosse, peut-être un banking, peut-être n'importe quoi d'autre. Mais suivant ce qui caractérise ces deux virages-là, il va aller voir telle ou telle data. Et tout ça, grâce à cette feuille-là, ça lui facilite la tâche parce que c'est beaucoup de choses que les pilotes ne pensent pas à regarder, ne pensent pas à dire. Et voilà, ça rend très compliqué la communication entre ceux qui connaissent les setups et ceux qui savent juste rouler. Ici, ils ont tous les deux du survirage, léger survirage en entrée, d'un virage lent. Il y avait un autre virage lent ici qui était safe. Donc aussi, on va aller voir quelle est la principale différence entre le virage 1 et le virage 4. Bon, connaissant le circuit, on sait pertinemment que le virage 4, il a un relief particulier. Et donc forcément, c'est peut-être ça qui provoque le survirage, l'instabilité en entrée, et donc probablement il y aura peut-être un travail à faire sur les amortisseurs. Ça, c'est une première chose. Alors, on va regarder ici dans les virages rapides. Imaginons, on a deux virages rapides, et sur un des deux virages, on va dire que ici, en sortie, il y en a un qui va dire SRV. Imaginons que le premier pilote trouve que le virage est safe, alors que le deuxième pilote trouve que le virage est qu'en sortie de ce virage-là, la voiture elle est survireuse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième pilote prend pas son virage de la même manière que le premier. Donc il y a des différences de pilotage. Ah donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller voir sur RST, donc le metteur au point, il va aller voir sur RST, il va regarder quoi? Il va regarder ici. On va dire c'est quel virage? Le 9, c'est celui-là. Il va regarder la courbe d'accélérateur qui va comparer avec les datas de l'autre pilote, voir comment le travail à l'accélérateur est fait. D'accord? Ensuite, il va faire quoi? Il va regarder les jets latéraux, voir comment ils évoluent, et il peut par exemple ici regarder dans steering. Attendez, que je regarde ici. Steer speed. À quelle vitesse le pilote tourne son volant? D'accord? Pour voir si. Et alors aussi le pourcentage de rotation, le pourcentage d'angle du volant. Parce que peut-être qu'il y en a un qui tourne plus que l'autre, et forcément, l'un ou l'autre va créer du survirage. Et donc, forcément, il va voir que clairement, il y a des différences en termes de pilotage. Alors, à ce moment-là, quand on a vu les différences qu'il y a en termes de pilotage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas compliqué. On regarde, par exemple, sur Run. Et vous avez. Non, c'est pas sur Run, c'est sur. Que je dise pas de bêtises. Je ne sais plus. Il est où ce truc encore? Dans Optimal, je crois. Overall. Total Grip. Non, pas Run. Driver. Overview. Voilà. Time slip. Bon, ici, j'ai pas de data parce que ben, forcément, il y a qu'un seul tour. Mais quand vous comparez deux paquets de data, vous en mettez un en tour de référence et l'autre coché en bleu, et vous allez voir donc la différence de temps, le temps gagné ou perdu par rapport au tour de base. Et par exemple, je vais quand même essayer de vous choper. Bon, c'est la Mustang, on s'en fout. Hop, voilà, on va dire par exemple, voilà, ce tour-ci. Hop, et ce tour-là. Voilà. Vous voyez que par exemple, dans le virage 9, vous voyez ici par exemple, le travail à l'accélérateur n'est pas du tout le même.
Ici, ça accélère beaucoup plus tôt. Et ça reste à fond, tandis que là, ça accélère plus tard. Et puis, ça ralentit pour réaccélérer. Bref, la conduite n'est pas du tout la même. Bon, ici, c'est normal, hein, c'est deux voitures différentes. C'est juste pour vous montrer le truc. Alors, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? On sélectionne le virage. Il faut partir d'une... Il faut aller d'une partie du virage à l'autre. On va donc prendre à partir d'ici jusque, on va dire, jusqu'à ce que ça tourne dans l'autre sens. Donc on va zoomer ici. Ensuite, on fait comme ça et on pique ici. Ou peut-être un peu plus loin, non, ici c'est très bien. Ici c'est très bien parce qu'il y a le freinage qui est compris avec. On voit que là il y a une différence de 6 dixièmes entre le tour entre le tour de base, 6 dixièmes entre le tour de base et l'autre tour, donc le tour de référence et l'autre tour, d'accord? Il y a 6 dixièmes. On regarde toute la section et ici on commence à tourner vers l'autre virage. Donc toute cette partie-là, donc le freinage, là où on ralentit, on commence à tourner, on est dans le virage, ensuite on tourne moins, on réaccélère et toute la ligne droite qui suit est le résultat de la sortie de ce virage-là. Donc on la prend avec. Et donc jusque-là, jusqu'au freinage suivant, c'est-à-dire ici, on compare. Il y a une différence de 9 dixièmes. Donc, entre 9 dixièmes après cette section-là et les 3 dixièmes sur l'autre section, eh bien, le deuxième pilote, attendez que je regarde, oui, le pilote ici, avec ici, le tour de la V8 Supercar, ça va 3 dixièmes plus vite. On a gagné 3 dixièmes. Donc, si c'était par exemple deux les mêmes voitures, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, le pilote ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit adapter sa conduite pour pouvoir le passer de la même manière que l'autre. Car là, il n'y a absolument rien à faire en termes de setup. On voit clairement que là, la différence de pilotage aura créé un gap de 3 dixièmes. Et donc, avant de faire quoi que ce soit sur le setup, c'est celui qui trouve que la voiture est en sous-virage qui doit travailler son pilotage pour pouvoir s'adapter à l'autre et il gagnera 3 dixièmes s'il arrive à faire la chose de la même manière et ce sans devoir modifier le setup. Maintenant, passons par exemple au cas inverse. Si maintenant c'est celui qui trouve que la voiture avait un léger survirage en sortie, qui allait plus vite, à ce moment-là, ben, il faut d'abord, dans un premier temps, que l'autre pilote qui trouvait la voiture safe s'adapte à la conduite du plus rapide pour gagner déjà les 3 dixièmes. Et une fois qu'ils passent ce virage-là tous les deux, et donc de la manière la plus rapide, on peut ensuite travailler, voir ce qui se passe pour ensuite peut-être corriger le léger survirage qu'il y a en sortie pour peut-être encore gratter 1 ou 2 dixièmes. Voilà, ça c'est les choses que le setup building sheet permet de voir très très facilement quand on voit par exemple ici qu'il y en a un qui trouve que la sortie est safe et l'autre qui trouve que la sortie est survireuse, ça met en évidence des différences de pilotage. Alors, ce que vous pouvez également faire, par exemple, quand vous arrivez ici, vous pouvez, par exemple, imaginons que ici on a tous les tours ici. Vous calculez, par exemple, donc vous calculez la moyenne de tous ces tours-là. Et on va dire que grosso modo, c'est 2,4, 2 minutes 10, 45. Hop, voilà, vous mettez ce pilote-là, il est en moyenne à 2,10. 45 et l'autre il est en moyenne à 2,11, 2,32. Voilà.
Et donc déjà, ce que vous pourrez voir aussi, c'est l'évolution. C'est-à-dire que une fois que vous avez rempli cette feuille-là, celui qui met la voiture au point peut travailler le setup. Ceux qui ont roulé peuvent se faire une petite pause ou peut-être vous remettez ça au lendemain. Pendant ce temps-là, celui qui crée le setup va travailler sur le setup en fonction de tout ça. Et le lendemain, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous maintenez, vous gardez cette feuille-là. Vous notez ici, le metteur au point va noter par exemple ici, vite fait, les modifications de setup qu'il a faites. Donc par exemple, deux clics aileron en moins, 0,5% brake bias en moins, etc. etc. Allez, on va dire spring rate de 150 à 170 newtons par millimètre. Voilà, il note ici les différences, les choses qu'il a modifiées sur le setup. Et le lendemain, donc vous conservez cette feuille-là, vous passez sur run 2, vous reprenez une page vierge, et ensuite vous refaites un run avec le setup qui a été mis à jour, et vous refaites un run suffisamment long, vous renotez, vous voyez les différences, etc., etc., et vous re-remplissez cette feuille-là avec la nouvelle moyenne des chronomètres. Et à ce moment-là, ben, nouveau, pareil ici. Et alors peut-être que si ça se trouve ici, ça va être safe. Et comme l'autre, non, là, c'était la sortie. Ça va être safe. Et comme l'autre, il a adapté sa conduite à celle de l'autre, ben, il va trouver que c'est safe aussi. Et le problème ici sera réglé et il y aura eu 3 dixièmes de mieux autour sans toucher au setup. Et alors ici, ben, vous remplissez, continuez à remplir ça et ainsi de suite. Une fois que vous aurez fini de nouveau votre run, ça peut être des runs de 10, 15, 20, 30, 40 tours, un plein d'essence, peu importe. Là, cette feuille, c'est principalement une feuille que vous utiliserez quand vous aurez déjà dégrossi le setup et que vous commencerez à rentrer dans les détails. Donc, vous pouvez commencer à faire des longs runs pour pouvoir vous entraîner, enchaîner les tours, enchaîner les tours et enchaîner les tours. Et ensuite, alors, entre chaque session, entre chaque run, ben, vous aurez cette feuille-là. Celui qui met la voiture au point pourra faire, après chaque run, des adaptations sur le setup si nécessaire. Voilà, grosso modo, comment ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aimeriez voir des améliorations sur cette feuille, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Je vais en faire au fur et à mesure des courses que je fais, des endurances que je vais faire avec Eric ou autre. Et donc, au fur et à mesure, je vous remplirai la base de données pour les circuits. J'envisage également, parce que bon, ça commence déjà à être plusieurs fois qu'on me signale que c'est dommage que ma chaîne est en français, ben oui, voilà, malheureusement c'est en français. Je vais essayer de voir si je peux activer les sous-titres. Et par contre, pour ces feuilles-là, je vais essayer de voir pour en faire les versions dans différentes langues. Parce que bon, j'ai quand même la chance de pas trop mal me débrouiller dans 3-4 langues. Et donc voilà, donc les feuilles que vous aurez ici en bas, au lieu de run 1, run 2, run 3, ben vous auriez peut-être par exemple FR, EN, IT, NL, etc., suivant les langues dans lesquelles j'aurais mis le document. Voilà, mais bon, ça c'est vous pourrez facilement adapter et changer le truc. Vous supprimez toutes les feuilles et vous dupliquez par exemple celle-là, hop, dupliquez, hop, boum, et voilà. Mais bon, faites-le avant de la remplir, sinon vous allez devoir tout effacer, tous les ressentis et les modifications de setup. Voilà, pour éviter les clics inutiles, vous pouvez faire comme ça. Voilà, grosso modo, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous aidera dans vos prochaines endurances pour pouvoir travailler vos setups ensemble en équipe sans vous arracher la tête. C'est effectivement un très bon outil. Pour le setup, mais aussi pour mettre en évidence des différences de pilotage et donc éventuellement aider l'un de vos équipiers à pouvoir améliorer son pilotage parce que là on verra la différence avec le ressenti. Voilà.
Allez, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine et à plus. Ciao, ciao.